dans le dossier là. D'abord, lui, ce qui concerne lui, c'est Loudalem. Dans le dossier, lui personnellement, de Kaloum, il a fait le désistement. Tout le monde l'a vu. Maintenant, ces cinq sœurs, c'est les mêmes contenus. Eux, ils ont porté plainte. Et elles ont maintenu leur plainte. D'abord, si c'était le droit, s'il n'y avait pas l'injustice, si c'est le droit qui se disait dans les documents, cette plainte, on n'allait pas accepter parce que la personne, votre frère, pour qui vous avez porté plainte, lui, il a porté une plainte, il a retiré la plainte, donc vous n'avez plus droit à porter plainte. Parce que c'est par procuration. Maintenant, malheureusement, la personne qui devrait faire procuration pour vous donner lui-même en question, il a porté plainte. Et que quand il a porté plainte, il a désisté. Donc c'est fini, c'est fini, c'est fini. La justice allait rejeter. On devrait mettre le dossier non-lieu. Mais je vais vous dire, vous savez, le CNRD, c'est des manipulateurs. Le CNRD, c'est des perturbateurs. Le CNRD, c'est des haineux, des rancuniers. Le CNRD a du mal. Ils sont haineux contre nous, les Niélois. Vous savez pourquoi? Parce qu'on a dit fidélité et loyauté à Alpha Condé. Doumbouya n'aime pas ça. Le premier ennemi de Alpha Condé en République de Guinée, c'est Mamadi Doumbouya. Doumbouya déteste toute personne qui aime Alpha Condé. Mamadi Doumbouya n'aime pas Alpha Condé, donc il n'aime pas toute personne qui aime Alpha Condé. Mamadi Doumbouya est entouré que des personnes qui ont insulté, qui ont humilié, qui ont tout fait à Alpha Condé. Doumbouya veut nous notre sort à tout prix, mais comme lui, il se dit peut-être qu'il ne peut pas, Bala ne peut pas. Maintenant, c'est de profiter derrière la plainte de ces Loudalem pour nous atteindre. Mais tu seras très dessus, Doumbouya. Toi et ton CNRD, vous serez très dessus. Parce que ton jouet là, moi j'ai compris. Et le monde a compris. Le peuple a compris. Même celle aujourd'hui, il a compris. Tout le monde a compris ton jouet, Doumbouya. Doumbouya, tu veux notre sort à tout prix, moi et mon frère. Ça te ronge quand on dit loyauté et fidélité à Alpha Condé. Et Alpha Condé, on va l'aimer jusqu'à la fin de nos jours. On ne va jamais te soutenir, te supporter. Parce que tu es un assassin, tu es un ingrat, tu es un perturbateur. Tu es venu t'installer en République de Guinée. Tu es affamé du pouvoir. Tu es un gourmand. Rien ne te suffit, toi, Doumbouya. Maintenant, comme tu ne peux pas, là, je vais vous dire la plainte sur quoi on a été condamné là. Saint Loudalem a tout fait pour ne pas que nous soyons condamnés, même sur sursis. Donc, c'est ce qui a fait, les avocats n'ont rien envoyé comme preuve. Et maintenant, c'est le même CNRD qui a mis la pression sur certaines personnes pour que les avocats envoient, que le juge les injure après le jugement. Fallait que nous, on soit impliqués dans le dossier, quoi. Fallait que nous soyons condamnés et que le monde entend que oui, c'est la condamnation, c'est la famille d'Alain. Que c'est la famille d'Alain. Doumbouya, dans ton jouet là, tu as vu le jour où tu as fait sortir celle d'Alain de sa maison. Le même jour, tu as demandé, toi et ton CNRD, vous avez demandé au juge de me condamner, de nous condamner. Parce que pour toi, quand tu allais faire ça, il t'allait faire oublier. Hey, les gens ont compris. Tu ne m'aimes pas. Moi, l'amour, tu ne m'aimes pas. Tu n'aimes pas celle-là. Tu sais que celle et moi, il y a un problème. Donc, quand tu me vois accrocher, moi et celle-là, toi, ça t'arrange. Toi, ça te fait plaisir parce que je suis un obstacle pour toi, Mamadi Doumbouya. Nous, les. Et celle-là, dans les IFDG, est un autre obstacle pour toi. Donc, tu te dis, quand tes deux obstacles sont en problème, en un conflit, toi, ça t'arrange. Alors, tu es démasqué. Parce que je suis venue ici aujourd'hui, ma mère a pleuré, ça m'a touchée.
Moi, je suis en liberté. Je ne suis pas en prison et je ne serai pas en prison. Surtout sous tonton Mamadi Doumbouya. Je n'ai pas d'idée sous un autre président. Mais toi, je ne vais pas te donner cette opportunité, Mamadi Doumbouya. Moi, je ne ferai pas la prison sous toi, ton régime. C'est toi qui feras. Même si je vais faire la prison, je le ferai avec toi sous un autre régime, Mamadi Doumbouya. On va rester ensemble en prison à la maison centrale. Oui, c'est moi qui te dis. Mais toi, là, je ne ferai jamais prison sous ton régime. Donc, enlève ça dans ton programme. Je suis ici, je vais à l'école, je suis libre de tous mes mouvements. D'accord? Appelez-moi la famille de Selouda Lengialo. Moi, Fatmata Binta Diallo, Fatou Nielo, la grande sœur de Ousmane Nielo. Vous savez ce qui est entre Selou et moi. Tout le monde le sait. Vous le savez. Vous le savez. Le problème qui est là. Maintenant, mon frère Nielo est en prison parce que Ousmane Nielo a insulté. Il a repliqué aux gens jure sur la famille de Selouda Lengialo. Sur sa maman, son papa, non? C'est à cause de ça que Ousmane Nielo est en prison, non? On n'est pas condamné parce que on soutient un autre parti ou parce qu'on est militant de l'autre parti. On a été condamné, poursuivi parce que c'est pour injure, non? C'est ça, non? Moi, ce qui est entre nous, c'est le dame. Ça peut rester entre nous. Quand il y aura un changement de pouvoir, ou si toi-même, c'est Loudalen, comme tu t'es militant, pense que oui, tu vas être président. Quand tu seras président de la République en Guinée, tu vas me mettre en prison sous ton régime, c'est Loudalen. Ou encore sous ton régime, tu vas dire non, moi je te pardonne, je pardonne Fatou Nielo. Donc toi et moi là, moi je ne suis pas en prison, je suis aux États-Unis. Maintenant, mon frère est en prison. Ça ne le dérange pas, le fait qu'il est en prison. Moi, ça m'a dérangé au début. Maintenant, sincèrement, ça ne me dérange pas parce que j'ai compris tout ce qui est derrière le dossier. Maintenant, c'est Loudalé. Toi non plus. Mais le CNRD, Mamadi Doumbouya, veut notre... C'est que il veut finir avec nous. Plus que toi-même, c'est Loudalé. C'est Loudalé Ndiallo, c'est moi, Fatou Nielo. Je le fais à cause de ma mère. Avant tout, c'est elle. Là, cette femme a trop pleuré. On a fait appel, le cas de Ousmane. On va aller au jugement. S'il y avait la justice, en fait, si on disait le droit, si la justice n'était pas manipulée, certains magistrats n'étaient pas manipulés par Mamadi Doumbouya et son CNR d'aujourd'hui, c'est lui qui appelle, il dit ce qu'il veut. Et puis, on fait ça. Arrivé à la cour d'appel, qu'est-ce qui va se passer? C'est de voir aussi les 15 mois qu'ils ont donné à Ousmane. C'est de dire, ah ok, maintenant, on a vérifié, maintenant c'est 6 mois. Tout ça, c'est Doumbouya qui veut garder Ousmane en prison. Parce que Doumbouya sait qu'on est obstacle pour lui. Nielo est obstacle. Mais moi, je suis obstacle pour lui et c'est le obstacle pour lui. Doumbouya, tu vas nous mettre en prison, mais tu vas sortir derrière la plainte de Selou Dalin. Tu vas toi-même prendre une plainte contre nous. Je vais te démasquer. Parce que cette plainte, c'est toi et ton CNRD qui est derrière. C'est toi qui veux enfoncer Selou Dalin. C'est toi qui veux me révolter contre Selou Dalin. Ça ne marche plus, Mamadi Doumbouya. Je te hais, je te déteste, Doumbouya. Toi et moi, là. Toi et moi. Comme tu n'as pas d'autres personnes à qui combattre, si ce n'est pas nous, porte ta plainte. Je vais te donner l'occasion. Parce que je vais m'attaquer à toi. Je vais dire les vérités sur toi. Tu vas porter plainte contre moi. Maintenant, tu décernes le mandat d'arrêt international. Je vais attendre à ce qu'on vienne me prendre ici aux États-Unis pour m'envoyer en Guinée. Doumbouya, tu sais. Toi, Doumbouya, tu sais que je ne suis pas cachée. Toi, tu le sais. Tu sais, aujourd'hui, toi, tu as mes informations ici. Tu sais, Doumbouya. Tu le sais? Je ne suis pas cachée de toi. Tu sais? Mais je vais te montrer que, Doumbouya, tu as touché à une personne que tu ne devrais pas toucher.
La plainte qui concerne Nielo, notre plainte avec la famille d'Alain, je vais vous dire clairement, c'est lui a tout fait. Les avocats n'ont pas amené. C'est les d'autres personnes qui s'assoyaient pour insulter Cello d'Alain. C'est ces personnes-là qu'ils ont amené pour ne pas que nous soyons impliqués. Mais c'est, le jeu est plus fort que Cello d'Alain. C'est plus fort que Cello d'Alain. Comme ils savent que Cello n'a pas de bons conseillers, Cello en politique, il est né en politique, il ne sait pas. Si moi je suis ton conseiller, ta conseillère, Cello d'Alain, si moi j'étais ta conseillère, tu allais prendre les Guinéens, les remettre ici. En politique, ce n'est pas les personnes qui sortent ici qui parlent. Ce n'est pas ça la politique. Quand tu aimes quelqu'un, tu veux l'aider. Tu cherches à transformer ses ennemis en amis. Tu tires un à un. C'est le moi j'ai fait, j'ai contribué à te déstabiliser. Moi. Moi, ça fait bien, Matabim Tadjalo. Dans l'audio où le président de la République a parlé, il n'a pas dit le nom, il a dit deux personnes. La deuxième, elle se connaît, je la connais. Je fais partie, c'est moi. C'est moi. Et je suis fière, ça je ne regrette pas. C'est moi, Fatoumata Bint Diallo. Ceux qui disent que cet audio elle est fausse, c'est une vraie audio. Juste que les gens ont fait couper. Ils ont coupé parce qu'il y a des choses là-bas que le président... Et le président a été enregistré. En fait, il disait ce qui est au fond de lui, en fait. Ce qui était dans son cœur. Il a parlé. Il a dit ce qui est dans son cœur. Donc, il y a des parties qu'ils n'aiment pas. Donc, c'est ça qu'ils ont coupé. Sinon, l'audio, elle est vraie. C'est une audio, c'est une vérité. Donc, moi, j'ai fait partir à déstabiliser l'IFDG. Je l'ai dit haut et fort. Il y a une autre femme aussi. Donc, ça, moi, je dis, je fais partir. Je fais partir. Toi qui dis, Condé, Basse, Guinée, les Peuls sont déjà étrangers en Guinée. Ils ne seront pas président. Moi, je te dis que tu mens. Quand tu dis peut-être l'IFDG c'est des étrangers, je peux accepter. Et quand tu dis que l'IFDG ne sera pas président, je suis d'accord. Mais tu ne peux pas dire que le peuple ne peut pas être président, c'est pas vrai. On peut avoir un peuple président, un peuple qui n'est pas ethno, un peuple rassembleur, un peuple qui rassure. Ça c'est Dieu qui a ce dernier mot. Moi je n'ai rien contre pour qu'un peuple vient au pouvoir. Moi, mon seul problème, c'est Cello d'Alain. Je l'ai dit ici au monde entier. D'accord? Donc, ça, c'est pas une vérité. Moi, je suis guinéenne, je suis peule et je ne suis pas une étrangère. Personne n'est plus guinéenne que moi. On s'est compris? Voilà. Et puis, en parlant là, je suis peule. Il faut savoir parler. Quand vous parlez, parlez de l'IFDG, ça ne me dérange point. Mais vous ne pouvez pas parler de peule. Je suis peule. Je ne suis pas étrangère. Voilà, si peut-être, si vous dites que les IFDG c'est des étrangers, ou le président de l'IFDG est étranger, on peut s'entendre sur ça. Mais dire le peuple, c'est un mot, c'est vaste. Moi, tout le monde me connaît, hein, ceux qui sont... Moi, vous avez vu, j'ai soutenu Alpha. Alpha n'est pas ethno, hein. Alpha n'a jamais parlé le nom de peuple. Il a toujours parlé de Cello d'Alain. Même dans son audio, il n'y a pas d'ethnocentrisme. Il a parlé de Cello d'Alain. C'est de Cello d'Alain qu'il a parlé. Voilà. Et quand il était à Cancan, il a dit que le... Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, toute personne qui va voter pour un autre candidat, dis-toi que tu as voté pour Cello d'Alain. Et tout à fait d'accord. Cello ne l'aime pas. Et si aussi, lui aussi il n'aime pas Cello, où est le problème? Où est le problème? Maintenant, l'ennemi géré de tous les Guinéens. Vous savez, les gens ont dit que Alpha Condé est comme ça. Alpha Condé est comme ça. Ce qui a fait que Doumbouya est venu. L'ethno, c'est Mamadi Doumbouya. Le traître, c'est Mamadi Doumbouya. Donc, dans l'affaire-là, voici ce qu'ils ont fait. Comme tout le monde sait, le dossier qui opposait Nielo et la dame, tout le monde sait que le CNRD et leur Bala Samoura en tête est derrière le dossier. Pour maintenant dire que non, ça ce n'est plus le CNRD qui détient Ousmane. Parce que vous savez, ces jours-ci là, je suis sortie, j'ai dit, et c'est Doumbouya qui détient Ousmane.
Il y a quelqu'un qui allait voir, une dame est allée voir le ministre de la Justice. Le ministre de la Justice dit, si Doumbé a dit de le libérer, il va le libérer. L'une personne m'a appelé pour me dire, hey, laisse le cas de Ousmane. C'est le CNRD qui le détient. Donc, tant que Doumbouya le garde là, Doumbouya, on a dit à Doumbouya que quand tu laisses Ousmane, ce n'est pas bon pour toi. Ils ont dit à Doumbouya, la façon dont sa soeur est sortie là, Ousmane va sortir comme ça. N'oubliez pas que toi, les pièces d'Ousmane Niéloé, Bala Samoura, toutes ces pièces, son passeport, ses comptes bancaires, tous ces documents, Bala a ça. C'est à l'aéroport, le commissaire a pris. Donc lui, il ne peut pas. Moi, j'avais tous mes documents. Il ne va pas sortir. Et puis, Niéloé n'ira nulle part. Niéloé, c'est un Guinéen. Il aime la Guinée. Maintenant, je suis là aujourd'hui. Je vais vous dire, ma mère a pleuré beaucoup. Ousmane Niéloé est en prison. C'est le CNRD qui est derrière la plainte de Sélou Dalé. C'est la façon dont Sélou Dalé était derrière la plainte de la dame jusqu'à ce qu'ils ont condamné Ousmane. Maintenant, après, tout leur vœu, c'était que Niéloé part en prison. Aujourd'hui, tous les IFDG, de fait que Niéloé a fait 6 mois en prison, tu leur demandes aujourd'hui, ils sont pour la libération d'Ousmane. Ça, c'est clair. Même la personne qui a mis Ousmane en prison, même si Niéloé faisait 2 semaines, parce qu'elle, son vœu, c'était ça, c'est elle qui a pu mettre Ousmane en prison. Vous, les autres IFDGistes, aujourd'hui, tu leur demandes, il a fait 6 mois de prison, quand tu leur demandes, ils seront tous pour la libération de Ousmane. Ils ont montré la preuve. Quand il y a eu condamnation, qui a parlé? Personne n'a parlé. Personne n'a parlé. Personne n'a parlé. Parce qu'ils ont compris que Doumbouya, c'est un manipulateur. Doumbouya a 2 obstacles. Et pour lui, maintenant, la chance que pour lui qu'il pouvait avoir, les Niéloé, ce sont des obstacles pour moi, Doumbouya. Celle-là est un obstacle pour moi, Doumbouya. Celle-là et Niéloé, ils ne s'entendent pas. Donc, c'est la chance que je peux avoir. Les manipuler, utiliser l'autre, l'un contre l'autre. C'est ce que Doumbouya a fait. Mais avec moi, ça n'a pas marché et ça ne marchera jamais. J'ai refusé et je refuse. Moi, je ne suis pas bête. Je refuse. Si tu es homme Doumbouya, il faut combattre Sélou face to face. Ne viens pas te cacher derrière moi pour combattre Sélou. Je refuse. Mais comme Sélou, lui, son cerveau là, c'est comme ça. Tu as eu là, tu as pu. Tu es allé derrière lui. Tu t'es caché pour nous faire du mal. Niéloé est en prison pour les injures, non, parce que la famille d'Alain dit que Niéloé a insulté leurs parents, non. Appelez-moi la famille d'Alain. Moi, Fatmata Binta Diallo, Fatou Niéloé, la grande sœur de Ousmane Niéloé. C'est nous d'Alain, ce qui est entre nous va rester entre nous. Je dis, quand tu seras président en Guinée, tu vas me mettre en prison. Tu vas me convoquer devant la justice. Quand tu n'es pas président et Doumbouya n'est plus président, quand il y a un président neutre, il y a une justice indépendante qui va dire le droit. Si on me juge, on me condamne pour injure publique, pour toi, c'est Loudalé, et qu'on me dit je dois faire 6 mois de prison ferme, je le ferai avec fierté parce que là, j'ai répliqué aux injures et puis on m'a condamné pour injure publique, d'après ce que la loi dit. On peut me condamner sur sursis. Si tel n'est pas le cas, on me condamne. Prison ferme 6 mois, j'accepterai ça. Donc, pour ce qui concerne toi, Sélou Dalé, et moi, Fatou Niéloé, la haine ou quoi que ce soit que tu as pour moi, tu peux le garder. Mais ce qui concerne Ousmane Niéloé, mon petit frère, les injures qu'il a proférées, qu'il a repliquées sur tes parents, Sélou Dalé, la famille d'Alain, moi, Fatou Niéloé, je vous demande pardon. Retirez votre plainte. Laissez le CNRD nous maintenir Niéloé en prison. N'acceptez pas que cette étiquette reste sur vous. C'est Sélou Dalé. C'est moi qui dis, je ne suis pas sous, je ne suis pas drogué. Je suis venu, j'ai fait un direct tout à l'heure, je t'ai remonté. Très remonté, vous avez vu tout ce que j'ai dit. Après, ma mère m'a appelé. J'ai entendu les pleurs de ma mère. Ma mère est tombée sur la moto.
Je ne pense pas à moi, je ne regarde pas que moi. Moi, je suis aux États-Unis. Mais je pense à cette pauvre femme qui quitte la banlieue tous les jours pour aller à la maison centrale, pour envoyer à manger à son enfant. La dernière fois, cette pauvre femme est montée sur une moto parce que si elle ne monte pas sur la moto, de quitter la banlieue, venir en ville, l'embouteillage, elle viendra trouver que c'est fermé. Il n'y a plus de visite. Donc, elle préfère prendre la moto pour quitter la banlieue et aller à la sûreté, envoyer le manger de son enfant. Je dois avoir pitié de cette pauvre femme. C'est nous qui sommes condamnés. Ceux qui sont sur les réseaux sociaux, personne d'entre vous n'a son parent en prison. Si c'est pour les jeunes jours, il y a des gens qui ont insulté. Ils sont là-bas. Mais Doumbouya a toujours cherché à nous faire mal en faisant plaisir. Doumbouya, ton plan là a échoué. Moi, je sais, tu vas punir, le ne sera pas libéré. Moi, j'ai dit ça à tout le monde. Quand on me disait, sinon, ne parle pas, je dis, ah là, vous ne connaissez pas Doumbouya, c'est un manipulateur. Doumbouya ne veut pas que nous dénonçons. Doumbouya, c'est un manipulateur. Doumbouya veut jouer dans l'esprit de tout le monde. Doumbouya n'aime ni IFDG, ni RPG. Doumbouya n'aime que son clan qui est là. Son clan pauvre qu'il est venu enrichir là. Doumbouya, c'est un ennemi des Guinéens. Doumbouya va faire la cause qu'il y aura une guerre civile sur ce Doumbouya. Parce que quand quelqu'un est hypocrite, c'est très grave. Et Doumbouya, c'est un hypocrite. Doumbouya, c'est un lâche. Doumbouya ne s'assume pas. Doumbouya fait semblant. Doumbouya n'aime aucun Guinéen. Doumbouya est là avec son clan pour s'enrichir. Doumbouya doit dégager. Je dis, c'est moi Fatou Niélé qui le dit. La famille d'Alain. Vous avez mis mon frère est en prison parce que il a insulté, vous avez dit qu'il a, c'est de fait qu'il a répliqué aux jeunes jours de vos parents, non? Même tout à l'heure, vous avez vu mon direct. Je dis, j'ai pas dit critiquer celle-là. Et même ça, ce n'est même pas le moment là. C'est après la transition. Doumbouya et moi là, on va aller. J'ai affaire avec Doumbouya. Je dis la famille d'Alain. Moi, Fatmata Binta Diallo, Fatou Niélé, je vous demande pardon pour Ousmane Niélé. Les jeunes jures qu'il a repliqué sur vos parents, qui vous a poussé à porter plainte. Laissez Doumbouya enfermer Niélé. Ils ont fait exprès de faire ce qu'ils ont fait aujourd'hui pour dire ah non, maintenant ça, ce n'est plus les Baras Amoura, ce n'est plus le CNRD. Ils veulent toujours maintenir Ousmane, garder Ousmane. Parce qu'ils savent bien que Ousmane et moi, nous sommes des obstacles pour eux. Ce qui reste clair, Ousmane, il a deux femmes maintenant. Plus jamais il va s'asseoir ici. Et puis nous, c'est Alpha Condé, on a aimé, on a soutenu. C'est les conjonctures contre Alpha Condé. Et je pense que plus personne ne va insulter Alpha Condé pour que nous nous répliquions sur les gens. Parce que Alpha Condé, il n'est plus président. Même s'il n'a pas signé qu'il n'est pas président. Mais Doumbouya est venu le séquestrer, lui kidnapper. Donc Alpha Condé, maintenant, si quelqu'un doit dire quelque chose là, c'est sur ce farfelu qui est Doumbouya, c'est sur ce techno qui est Doumbouya, c'est sur ce haineux qui est Mamadi Doumbouya. Je dis la famille d'Alain, c'est moi qui le dis, moi Fatmata Binta Diallo. Mon petit frère a besoin de sa femme, de ses femmes, il a besoin de ses enfants, il a besoin, ma maman a besoin de son enfant. C'est ma mère qui se lève tous les jours pour aller à la maison centrale, envoyer à manger. C'est nous qui, c'est ma mère qui souffre. Depuis Ousmane est arrêté, moi je sais combien j'ai dépensé pour des sacrifices. Moi je sais combien j'ai dépensé pour le manger. Il ne mange pas seul. Combien je dépense. Donc, j'en ai marre, je suis fatiguée. Parce que c'est pas le droit qui se dit. Parce que c'est pas la loi. C'est que c'est. C'est le règlement de compte. N'oubliez pas que Mamadi Doumbouya est encerclé que des personnes qui sont en mal avec Niélé. Que Niélé n'a pas laissé. C'est des gens. Mamadi Doumbouya est entouré que des ennemis de Alpha Condé. Et que Niélé n'a loupé personne d'entre eux là-bas. Maintenant, ce qui concerne la plainte de Selou Dalen et sa famille. Bon, pas Selou Dalen, la famille Dalen. Moi, je vous dis, pardon, la famille Dalen. Pardonnez mon petit frère pour les injures. Et moi, je vous promets, je ne veux plus jamais, moi je dis, je ne veux plus jamais insulter vos parents, votre maman et votre papa. Ça,
Je sais ce que ma mère m'a dit aujourd'hui. Et je vais respecter ça à cause de ma mère. Plus jamais, moi, Fatoumé, je vais insulter la maman de Seloudale, Hadjamar Massole, et son papa, Elage Tidjane. C'est ça, je dis. Donc, la famille d'Alain, moi, Fatoumé, les jeunes jours que j'ai proférés, que j'ai retournés contre vos parents, je vous demande aussi pardon. C'est ça. Moi, ce qui concerne ma mère, ma maman m'a dit que toutes les injures qu'elle a subies, on l'a insultée, qu'elle, elle pardonne, elle a dit ça toujours, depuis toujours. Elle dit ce qu'elle n'aime pas, c'est quand elle me voit à moi répliquer aux injures. Donc toi, Mamadi Doumbouya, ce que tu veux là, on va le faire. Le monde saura que Niel n'est pas arrêté par ces loups. Et ce n'est plus par cette dame. C'est toi qui le détiens. C'est toi. Donc, je vous demande pardon, la famille d'Alain, pour mon petit frère. Pardonnez mon petit frère. Retirez votre plainte. Il faut le faire à cause de mon papa qui a aimé votre frère. C'est moi qui le dis, moi, Fatoumé, le oui. Et vous laissez. Hé, hey, moi, je sais. Niel, là où il est, il ne m'a pas écouté. Si Niel m'avait écouté, il pouvait sortir. Mais ils ont pris le petit. Parce qu'ils savent que le petit, quand ils sortaient, ils allaient les rentrer, eux, CNRD. Bala Samoura, c'est Niel, allait lui déchirer, mettre le piment. Il sait ça. Doumbouya sait. Aujourd'hui, Doumbouya sait que si Niel est dehors, c'est pas bon pour lui. Donc, il est là. Il fait. Hé, hey, Doumbouya, tu vas garder Niel. Mais tu vas pas te cacher derrière la plainte de la famille d'Alain. La famille d'Alain. Tu vas pas te cacher derrière cette plainte. Aujourd'hui, ma mère, elle va dormir parce qu'elle m'a demandé de faire ça. Je sais qui l'a dit. Mes oncles ont parlé, mes oncles maternels, mes tantes maternelles ont parlé. Ils ont dit de faire ça, que moi, je vais... Je dis non, pour que ton enfant regagne sa liberté. Voilà, je vais le faire, Néné. Et je l'ai fait. C'est nous qui sommes condamnés. Qu'est-ce qui va se passer ici? On va aller à la cour d'appel. Ils vont dire, ok, maintenant, 6 mois, tant que Doumbouya est là, il va garder Ousmane Niel. Je dis, demain, les avocats de Selou, Selou d'Alain se lève, il va, il retire la plainte. Doumbouya va garder encore Ousmane. C'est moi qui vous dis. Il va le garder. Il fera tout. Mais le monde va comprendre que ce n'est plus la famille d'Alain qui détient Niel en prison. Ce n'est pas la famille d'Alain. C'est toi le CNRD. Toi, Mamadi Doumbouya, qui détient Ousmane. Je dis, je le réitère, c'est moi, Fatoumé. Je ne travaille pour personne sur Facebook. Personne. Je dis, même Facebook ne me paye pas. Je suis la plus suivie. Même ma page n'est pas monétisée. Pour ne pas dire que je fais certaines choses pour être payée, pour gagner l'argent. Moi, j'ai mon argent. Moi, j'ai mon avenir. Moi, je crois en Dieu. Moi, j'ai le Coran en tête. J'ai la traduction du Coran. Je sais que mon destin là, elle est inévitable. Ce que Dieu a prévu pour moi, moi, Niel, je vais l'avoir. Personne, quel qu'en soit quoi. Donc, c'est nous. On a tellement subi du 5 septembre de nos jours. Je vous dis, ils m'ont même fait croire quand ils ont arrêté Niel. Bala m'appelle pour me dire, tu sais, Fatou, tu sais, quand Niel va aller en prison, et la communauté peut... Leurs tensions vont descendre sur Niel. Il y a une autre personne aussi qui a dit la même chose. Il dit, ah, autrement, ce n'est pas la communauté qui est contre nous. Ce IFDG, ça n'a rien à voir avec la communauté. Donc, Mamadi Doumbouya, on en a marre de toi. On est fatigué. Doumbouya, hey, tu ne peux pas manipuler. Moi, je suis plus intelligente. Tu es un bébé, Mamadi Doumbouya. Tu es un vaurien. Hey, Mamadi Doumbouya, tu es un traître. Tu es un escroc, Mamadi Doumbouya. Tu es un assassin, tu es un arnaqueur. Tu es un... Tu peux... Moi, tu vas jamais profiter de moi. Moi, tu n'en as... J'en ai rien à foutre avec toi. Et ces loups-là, ils ont compris la leçon. Ils ont compris qui tu es. Tu veux les berner comme eux. Il suffit juste de leur sourire, c'est fini. Il faut chercher à connaître ce qui est dans l'intérieur de l'être humain. Toi, Doumbouya, tu es en traite. Moi, celle-là n'a jamais pu pouvoir faire quelque chose. C'est toi qui l'as donné la force. Et c'est toi qui t'es caché derrière. C'est toi, c'est vous le CNRD qui a appelé le juge Keïta.
comment je vais dire, de premier tribunal, première instance de Kaloum, de condamner Nielle. Le procureur avait dit que son parquet, ce n'est pas un règlement de compte. C'est loi tout fait. Vous savez, dans la vie, il ne faut pas accuser quelqu'un, quelle qu'en soit la haine que tu as pour la personne. Je dis, dans cette plainte-là, je vous dis, d'abord, quand on a commencé les négociations, ils ont manipulé, ils n'ont pas voulu, ils n'ont pas aimé. Ils ont dit non, il ne faut pas que celle l'accepte. Il ne faut pas que celle l'accepte. Donc, ils ont poussé, ils ont dit ok, celle va quitter. Bala Samoura, toi, je connais tout. Hey, je t'ai entendu quand tu parlais. Non, 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 faut qu'on met fin aux deux enfants là. Ils sont impolis. Hein? Donc, moi, je vous ai aidé, je vais vous aider. Donc, déjà, il y a Nielle qui est en prison. Et voilà, c'est le moment qui reste là-bas, lui aussi. Vous savez, tu as tout dit, Bala Samoura. Quand tu as fini de parler, c'est Loudalé, lui, n'a pas accepté. Maintenant, tu as dit, ok, après ils t'ont expliqué pour te dire, non, tu sais, c'est un opposant, c'est un peu mal vu et tout. Mais voilà, tu as dit, ok, mais sa famille, c'est toi, Bala Samoura, qui a poussé cette famille à porter plainte. Tu sais, je sais. Moi, je n'ai rien dit juste parce que, mais je sais, tu es rentré, tu as tout fait, tu as tout fait. Parce que tu les as promis que je vais déstabiliser. Et parce que j'ai des parents qui ne sont pas allés à l'école, qui ont pris l'argent, qui t'ont donné pour que nous soyons condamnés, pour que je pars en prison. Je me demande qu'est-ce que ça allait les apporter. Si moi je partais en prison, ça va faire quoi en fait? Est-ce que ça, depuis Nielle est allé en prison, qu'est-ce que ça a changé dans la vie de ce Loudalé? Parce que Nielle est en prison, ça a apporté quoi à l'IFDG? Nielle est en prison, ça a apporté quoi à ce Loudalé? Vous qui étiez là, là. Les gens là, Bala et son CNRD, Doumbouya, ils ont une haine contre nous. Ils ont une haine. Hey, je vous dis, moi, des gens appelaient les gens là. Ils mettent au parleur. Moi, je n'ai jamais enregistré. Quand j'enregistre quelqu'un, quand il reprend ma vie, je ne le ferai jamais. Quelqu'un a appelé, j'étais là, il a mis au parleur. Mais j'ai entendu les gens de CNRD parler de nous. Eux là, c'est des impolis. Le temps de Alpha, les gens l'avaient plus de 10 voitures. Ils avaient... Moi, je n'ai jamais eu de garde. Moi, c'est la justice guinéenne qui m'a autorisé d'avoir les gardes parce que j'étais menacée. Mais j'ai refusé de prendre les gardes. Je me suis dit que j'ai des gardes. Mon garde, unique garde là, qui est Allah Waïdoum, il va me protéger. Même si j'ai des millions de gardes, si Dieu ne me protège pas, ça ne servira à rien. Je crois à Allah. Donc, j'ai refusé de prendre mes gardes. Vous dites que moi j'ai des gardes, qu'on n'a pas gagné le temps de Alpha, qu'on a bien fait. Le président de la République, il nous a aimés et on va l'aimer. Ça ne va jamais changer. Aujourd'hui, quand on dit amour, loyauté, fidélité à Alpha Condé, ça ronge Doumbouya, ça le dérange. Les gens pensent que c'est à Selou ou c'est à l'IFDG que ça va faire mal. Selou a compris que nous, là, surtout moi, Fatou Nielle, il a compris que j'ai pris une position pour lui. Celui-là me connaît très bien. Il me connaît. Il sait que la force ne peut pas me faire revenir. Il me connaît. Celui-là sait que moi, me parlant, il faut que tu me dis pardon, Guéguima, Dogu Diallo. Il me connaît, il sait. Donc, il sait que quand moi je dis un là, c'est un. Je peux changer ce un, mais ça me dort le temps, pas en me montrant la force. Il le sait très bien. Je suis comme mon père, rien ne, ce que personne ne peut m'intimider. Je crois tellement en Dieu que je n'ai peur de rien, de personne. Mais Doumbouya, on va te déstabiliser. Wallahi billahi tallahi, je me suis inscrite pour te déstabiliser. Si je ne le fais pas, je ne suis pas la fille de mon père. Tu vas partir. Tu es un ennemi, tu es un ennemi commun. Tu es un ennemi de tous les Guinéens, Mamadi Doumbouya. Tu vas foutre le camp, Mamadi Doumbouya. Tu vas garder mon frère. Hein? Tu vas garder mon frère en prison. Parce que même si Domel, Seloudal et sa famille acceptent ce pardon, ils désistent à leur plainte. Toi, Mamadi Doumbouya, tu vas le maintenir en prison. Mais tu vas le maintenir que le monde va savoir que oui, Nielle est là en prison, mais c'est toi qui le gardes. Ça, ce n'est plus la famille d'Alain qui est le problème. Moi, j'en ai rien à foutre. Hey, je suis ici, ils peuvent rien. Et puis ce pardon-là, je n'ai pas été imposé le pardon. Les pleurs de ma mère, ça m'a touchée. Elle a raison. Moi, je suis
je suis en mouvement. Je marche. Je suis aux États-Unis. Je pars où je veux. Je pars à l'école. Je fais tout. C'est elle qui prend la moto. Elle est fatiguée. Elle est tombée. Son dos est déplacé. Malgré ça, c'est elle aussi qui continue toujours à aller amener le manger aussi. Aller voir son enfant. Tout ça à cause de toi, Mamadi Doumbouya. Parce que ce jour-là, si tu n'avais pas appelé le juge Keïta, pour le dire, il faut condamner Nyeloy. Vous, le CNRD, c'est le CNRD qui a appelé. Nyeloy, aujourd'hui, il allait être chez lui, en famille, chez lui. Il n'allait pas être maintenu. Donc, c'est vous qui avez maintenu Ousmane Nyeloy. C'est vous qui gardez, c'est vous qui détenez Nyeloy, le CNRD. CNRD, je vais vous déstabiliser. Si je ne le fais pas, je ne suis pas la fille de mon père. CNRD, vous allez partir. Je vais vous démasquer. La honte, c'est que vous êtes une honte, vous êtes une pourriture. Vous allez dégager de la Guinée. Vous allez partir, on veut un président qui va unir les Guinéens. Vous n'avez même pas honte parce que j'ai dit la dernière fois que le peuple de Guinée, on veut un président rassembleur, réconcilieur. Un président qui allait appeler les Nyeloy, qui appelle Selou, qui appelle les peuls, les soussous, les malinqués, les forestiers, qui appelle tout le monde qui les renue. Il dit d'accord, cette Guinée nous appartient tous. Sans l'un d'entre nous ici, ça ne peut pas marcher. Il faut qu'on s'accepte, qu'on se pardonne et qu'on se respecte pour voir comment. Mais tu es venu faire des règlements de compte, toi, Mamadi Doumbouya. Il est saleté. Tu es un saleté. Doumbouya, Ndiwa Kassola et la Kola. Il dit plainte de la Nenkan. Il est Ndiwa Kassola, peut-être. Enfla, Ndi Kassoke Lenke. Ndi, c'est quoi? Ndi Tola et Mamadi Doumbouya. Dit déstabilisé. Et puis, il est. Et la famille Kolobali l'indica. Pourtant, na Kolobali a très mal. Awanda Mayirala. Na Kolobali a. Mais ce qui reste clair, il a plein haut à Bara échoué. Parce qu'un calon, je sais, tu as condamné parce que pour toi, dès qu'on condamnait, j'allais me lever, aller porter plainte contre celui. Hé! Un peu m'a appelé un jour. Il n'est pas de l'IFDG, il n'aime pas c'est Louda Lemfeu. Il me dit Fatou, je dis oui. Il dit tu as vu c'est Louda là, il dit oui. Il dit 95% de notre communauté soutient c'est Louda Lem. Il dit c'est Louda Lem. La communauté reste, la politique passe. Il dit c'est la dernière carte de c'est Louda Lem. Ceux qui sont là là, c'est Louda Lem avait plus de chance avec Alpha Condé parce que si Alpha Condé était là et que ça continue comme ça, le Guinéen allait sanctionner Alpha Condé, ils vont voter pour c'est Louda Lem. Ils vont dire ah, on a voté tout ça, donc cette fois-ci, essayons c'est Louda Lem. Il dit il avait plus de chance. Il dit mais Doumbouya, Doumbouya c'est un ethno, c'est un traître, c'est un haineux, il n'aime pas celui, il n'aime pas l'IFDG. Il dit Doumbouya n'aime personne, Doumbouya c'est un ingrat, Doumbouya c'est un gourmand, Doumbouya n'est que pour lui et son petit clan qui est là. Il dit Doumbouya c'est un commandeur, il commandait, il partait dans tous les bureaux. Mais aujourd'hui les personnes où il partait commandait, il a levé tout le monde. Il dit je vais te dire aujourd'hui. Pour ne pas que demain tu as un nom bizarre pour dire que c'est à cause de toi, parce que si tu vois celle où n'est pas allé aux élections, où il n'a pas gagné les élections, c'est parce que tu l'as porté plainte contre lui. Il dit, attends que celle où les élections finissent, tu portes plainte contre celle où si tu veux. Le cas échéant, ou quand il est président, mais n'empêche pas, ne sois pas la cause. Pour qu'on dise c'est à cause de toi, celle n'est pas allé aux élections. Il dit parce que ce que le CNRD est en train de faire là, ils font tout pour voir comment exclure celle d'Alain. Mais il sait qu'il n'est pas homme, il ne peut pas. Donc il va passer par tous les moyens. Et c'est une vérité. Donc j'ai regardé et ce qu'il a dit, j'ai accepté. Peu importe, je suis du foutage, je suis peul. Donc la communauté reste, la politique passe. Je dis d'accord. Donc depuis ce jour, et il y a deux filles, elles m'aiment beaucoup, elles ont toujours été là pour moi. Elles m'ont dit, pardon Fatou, faut pas mettre de plainte contre Selou, laisse Selou d'aller. Je dis d'accord.
Donc, comme avec moi, c'est énervé, vous n'avez pas pu vous aider. Je te dis, je vous dis, votre plan là, c'est échoué. C'est moi qui le dis. Je vais dire en poulain, les personnes. Même Fatmata Binta Diallo, Fatou Niéloï, Ousmane Niéloï, n'a pas cassé. Woko fi bay mu yenni fami selu dalen mo nene makko e ber makko ko selu dalen fami makko on porti plein ettane la o video nabo holla non la fami selu dalen mo min Fatmata Binta Diallo Fatou Niéloï mi inni yo be yafano Allah be yafano mi nyanga Ousmane Niéloï sabu ko yotti yannoje mobe den e mobe selu dalen ben ko yenni ko mobe selu dalen ben ko yenni ko mobe mo ben on fami dalen ko min Fatou Haari mi torike on mi geedi on wadon fi Allah e nulaado makko Muhammadu e wadon fi bengan yaafo don pay kunko min ko woni hakkune yange sellu kon so fala nyande o laami wo portan helam plant ma dum nyande laamu go kadi ari wo ko woni hakkune amen ko woni hakkune am kono mi fodi on kadi onon fami sellu dale won mi yenni tata nena mo mi yenni tata be mum hande kadi mi torike on mi geedi on wadon fi Allah e hoti am nabido ye retire on plainte mo ngo action senar de jogo pay kunkun wato on jab wona ko fimo pay kunkun jogora parce que wana ono mimi lo andi ko fetti kon fu mimi enregistra ta himbe ben mimi enregistra no himbe ben mi addi dun do on gentino ke on ngaldeno on jabata no hay nyallal gotal kum pay kun wara kaso ko buddumbe yi ko be nada kullu senar de no woni moni an ngeloy buri buri hombo tigide be fala kalam be fala ka Usman parce que be andi me de yidi alfa konde hande ko be ngangu be anyi men ngun ko dum be anyo min be yida la be yida ngelo be yida sellu be werno be c'est que no wala le no wala wala parce que be yi ko mo be dido hino ko ndiri be yi ko mi obstacle sellu hanno kambe CNRD sellu ko obstacle mabbe kambe donc jonno be yi obstacle ji mabbe dido hino ko ndiri ko dum be watta sina len tagol ko dum be watta sina argol min be katike go min ni mi sali le kut min be rawata yam si be ngordi gere de be fala na sellu dem be tuno be tino tom min be wata rewde yam fiyomi ko be fala ko si be ngordi sta tum be andi ko be worbe yo be tino sellu dale kono bay sellu kan kanko wala bon conseil be rewe himbe go tom nyande bala samura noddi wabbe go mi do jodi mi do andi ko be woli kon ko kambe pusi juste jon kadi do condamnation on ko kambe noddi benyo be condamn wos be condamni me min be jonni lan katra on yeggi tay ko sel wona yaltinede ko suudu ko be sikku da jon ko be uddite gite monde uddite gite monde ko mi pullo ko mo mi RPG ko politique wato on yettu pigi dim fo hawtiniro ngi politique wato wadu dum ton jabu politique c'est que yettom pigi dim fo mi so yi mi artama da débat l'islam do ko parce que hi don yetti fo hawtindire hi don yetti l'islam politique sito yagal lenyol dina don yetti fo hawtindire wadi politique sendi dire changer stratégie waton jab wonu gol honno rondane si junya waton jab ton jabu hande kar wonu gol himbe rondantebe su junja uddite gite mon ne sendindire gida mo nge ganya mon min go mi ganya mon ni FDG kono min kadi no wodi kari aybe mon wato jabu non ganya mon inna jingana yo ngere wato jabu dum don min ko dunga duno lan do o inane ma di video ko mi wi l'école so ko touche lan parce que audio monene nga dani lan no wulu dombe no dina me no dina mi kupa mi lorola mbe kupa après na bari audio unda u min be lan ko class min mi no dita yo après be adani lan no audio yi be welti taw yi be welti be wulu de be wolu hay ko be defani bobo mabbe on ko bi yidu no min no mi do andi deja condamnation gono da be tay pass he be ko jamfante be ni joni min nebi ko mi introduce o demande de liberté nous na hande si tay no be fala no pay kunku yo akite no ko no hanno be akite mo gila on sumante
Et puis miato nyandego, hey, men soute mata se enero. Nyandego minani wape no wola hala. Mino eh tangala metti lan. Goddo noddi intervenu gol, innu gol a dumbuya pay kunkun himbe be noddi wape ton, wape membre CNRD. Innu gol ayobe akitu ngeloy. Goddo ko innu do ton wono wate akitu fewno ni ngeloy. Jogo de ngeloy hatuma IFDG yanani ewo e yaltina mo utiliser mo. Kan hala ko touchi lan kon. Minna on sofi dama, menen utilisam me. Mene nga hande alfa konde utiliza alme. Nde borre nede ne me wadi fop mi wondri Allah ha hande alfa konde ne lalime. Ha hande alfa inali yalte yenno ngo ma wadonu. Mi ng alfa konde ko yendo lan terto selu dale. Owe ole lan nu. Oni ka ene abuja ngo. Billai. Donc mi got lo pousa talam mi wadako mi wad fala ka wadde. E yo be utiliza me. Utiliza me gane komen. Chonti mame komen pade. Mame nganda valeur amé ko himbe ben ko Facebook tidirin e gere menen selu hare no lamni no ne ko kliyam be yalto be da ba buzz ben be ji jam mun haadi ben joni no fiyo ji jam mabbe welu be arabe ata ko yame sikkon no yidu selu hare no gere amen de lamni no ne bi ne bi ne bi ne bi mo kala wona ko kammu be wona IFDG mi wona RPG mo kala jokka haaji mu kare wo wadu gol politique ko argol do jodo yenna selu ma wala fi selu ko don politique nalun tuwan politik. La waye horu de enda selu dale. Mi ara mi soutena kandidat jwa. Ngo minna heno o kandidat jwa. Ndo votan emo. Son votan emo. Kudundoy, dundoy, 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 dundoy. Sa fe pa dir ko betu mi ara mi jodo. Mi ataka mi yenna. Mi hollu himba ben. Mi do waye yetta gol. Mi do waye yennu de. Yido ngandisi mwadi ino direct hari. Mi hai mi duwa tono si mi gaine. Kono wapena ko Facebook kudo. Ko himbe heferpe. Be ida Allah. Be ida anulado. Be hulata. Be hersata. Be sumata be detto tako. Ibe fala tunda ou de buzz. E fono ande, he, mingala ande prezant, mo pe me prezantete. Adnan lan fokpo no andila. E mi wolu no, e je suis fier, mi regreta, kote kon ande adnan fo andila. Paske mi mitonya ta. O condamnation do, selu ala ba omu hande, o ala ba omu django, ko CNRD on woni ba omu. CNRD on, be fala ka sellu hande be fala ka sellu jango be falketa ka sellu fatti jango donc Allah holli be nay didi no okkondir ko do woni awa gere gore ton ko onon non awa dum hatti dulanni CNRD ko enen sofi dete on jangata ko Ousmane vous allez garder Ousmane en prison mi tori ko mi gejion onon himbe famille sellu dale ngon onon himbe yirbe sellu dale me mi don andi mi hulata on alamu mi hulata do ngandi kadi mi force ta ke mi wada hunde do ngandi simi wadi hunde haray ko berne ande woni simi ni mi wada woni hakuna e sellu kon hakuna ame kono Ousmane ngelo ko be jogi mo tonkon wana sellu ko him na himbe sellu be ko CNRD on yi buddun ko nada kono mi tori ke fami sellu dale ngon mi geejibe sabu hoyreji du Ousmane ngelo yotti e fami mabbe on kon yenni mawbe sellu dale be men tori ke on men jeji min faatu mi tori ke on yafuye yafane Allah yafane on mi nyanga ye retire on plainte mo ngon atton be jogo ton Ousmane ngelo kambe be jogo be mi yetta ko Ousmane ngelo men bay tunga nana nanu la mi holla ma lawon go reba yalta a wadi lan min nona a bobo to mi wola ne mi tertoma ko du wadi be ko nanguma do be no hulbi di buri am nan fop ko be ko antu yanni ko njalo yennu be he Musa Dejebu nangama kanko nyanko armo be inni na be Musa Dejebu o yaal sirete ya nyallan Musa Dejebu a été arrêté il est accusé quand ils l'ont arrêté il n'aime pas aller à la sûreté. On l'a libéré, on l'a laissé. Il y a combien de gens qui sont là-bas, qui sont là en train d'insulter, qui a insulté. Tout ça, ce n'est pas un problème. L'obstacle de CNRD, c'est nous les nuls. Alors CNRD, je ne vais pas me taire sur vous. Je vais vous démontrer, c'est que je vais vous démasquer au monde. Je dirai au monde entier qui vous êtes. Vous n'avez même pas honte de s'acharner contre deux enfants. Vous n'avez pas honte. Allez-y à Bamako, demandez vos amis militaires, est-ce qu'ils ont une haine comme contre des enfants là-bas?
contre des gens qui ont soutenu. Tu es une honte, Mamadi Doumbouya. Tu n'es entouré que des personnes qui ont insulté, qui ont humilié Alpha Condé. Tu ne vas jamais nous aimer. Les gens là, dès que tu parles de Nielo, hé, les gens là, chacun d'eux parle parce que Nielo les a tous rentrés. Maintenant, si la famille de Dalem va retirer leur plainte là, d'accord? Maintenant, vous là, ton entourage là et toi là, vous allez chercher à le garder là-bas. Mais ça ne va plus être sous couvert de la famille d'Alain. C'est moi qui le dis, j'assume. Je leur demande pardon à la famille d'Alain. Moi, je suis là, rien ne peut m'arriver. Je suis libre de mes mouvements. Mais ma mère, j'en ai marre de fait qu'elle se lève tous les jours, aller à la sûreté pour rendre visite à son enfant. Aujourd'hui, elle serait libérée. Mais par votre complicité, lui condamner encore. Et puis moi, je vais venir m'asseoir ici. Je dis Doumbouya, les personnes qui t'ont remonté contre nous, ils ne t'aiment pas. Tu as fait plaisir à l'IFDG, non? Ou bien, tu as fait plaisir à l'IFDG. Maintenant, moi, je me bats la terre. Rien ne peut m'arriver ici. Je suis aux États-Unis, rien du tout. Mon frère Niel peut faire là-bas les temps qu'ils ont dit parce que tu ne vas même pas faire. Hey, Doumbouya, après le ramadan, tu vas partir parce qu'on va faire des réunions. Je vais créer des groupes de WhatsApp. Je vais dire aux gens de te faire dégager. Je te dis, on va te faire partir. Donc tu vas foutre le camp, Niel sera libéré. Mais en attendant, cette famille, le monde va voir que oui, je leur demande et je leur prie d'accepter mon pardon à travers leurs parents. Et toute personne qui m'aime, qui aime les Nielo, maintenant, je vous dis de dire à la famille d'Alain de pardonner Ousmane Nielo pour qu'il regagne sa liberté et qu'il retrouve sa maman. Ma mère a besoin de son enfant.